Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit livre plein d'humour qui s'appelle La tortue qui respirait par les fesses de Brooke Baker aux éditions Flammarion. Alors c'est un petit livre qui paye pas de mine, où on va se dire qu'on va trouver que des petites blagues sur les animaux. Eh bien, détrompez-vous, c'est en fait le livre qu'il vous faut pour briller en société, dans vos futures soirées, entre amis ou en famille, voire entre collègues. En fait, on a une première partie avec des petites anecdotes sur les animaux, comme par exemple la tortue qui respirait par les fesses, ou le hareng qui communique en tétant, ou un corbeau n'oubliera jamais votre visage. Et à la fin, en fait, vous avez les explications scientifiques sur ces petites anecdotes. Parce que, bien évidemment, il y a des chercheurs qui ont pris le temps de comprendre pourquoi un corbeau n'oubliera jamais votre visage. Et sachez qu'après avoir lu ce livre-là, je me dis que je ferai plus jamais de misère au corbeau. Donc voilà, c'est un petit livre scientifique, de la grande vulgarisation scientifique, que vous pouvez lire de temps en temps, lire un petit passage sur plusieurs animaux, lire l'explication scientifique à la fin. Le reprendre dans un mois, le mettre dans votre salon ou venir le lire à la bibliothèque quand vous avez que 5 minutes à passer. Donc vraiment un petit livre où vous apprendrez plein de choses sur les animaux qui nous entourent à découvrir sans attendre. Donc c'était La tortue qui respirait par les fesses de Brooke Barker aux éditions Flammarion. Donc j'espère que vous allez vite 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 emprunter ce livre à la bibliothèque et je vous dis à très bientôt pour un prochain nouveau Grand Méchant Book.